Hello! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des sandwichs. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui en mangent. Si vous savez comment ça s'appelle, ben, vous l'écrirez, vous me direz. Ma femme trouve ça dégueulasse. Moi, j'aime ça. Je mange ça depuis que je suis tout petit. Je me souviens plus c'est qui m'a montré à faire ça. Mais quand j'y pense, c'est vrai, ça a l'air dégueu. Mais quand j'y goûte, ben. Ça goûte bon. Mes enfants adorent ça. Mes enfants ils ont commencé à appeler ça des sandwichs de papaco. Hein, Lydia? Des sandwichs de papaco. Fait que c'est de même que ça s'appelle, ça a l'air. Si vous connaissez le vrai nom, ben, s'il vous plaît, dites-le moi. Fait que je vais commencer à les faire, puis je vous montre comment ça marche. C'est bien simple. OK. Les deux tours sont prêtes. Sont chaudes, chaudes, chaudes. Je vais mettre la margarine. Du moment que j'ai mis la margarine, je vais refermer toutes choses ensemble. Fait que ça reste chaud au milieu. Ça reste comme fondant. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, de laisser refroidir des toasts. Ça devient croustillant, c'est dégueulasse, c'est pas bon. Ensuite, beurre de peanut. C'est sûr, si vous êtes allergique aux peanuts, là, ça va pas bien. Là. On a du chocolat. Ben, non. Je t'ai posé mettre du chocolat à la place, là, mais avec ce qui s'en vient après, là. Oh, je m'aimerais pas, là. En tout cas, margarine ou beurre. Donc on mange une margarine, fait que c'est ça que c'est. Beurre de peanut. Là, vous voyez, c'est comme tout fondant là. Mais là je leur mets la minute que je fais plus rien, j'y mets ensemble. Pour que ça reste fondant dans le milieu. C'est même que c'est bon. La pièce de résistance. Une slice de fromage jaune. Là, je sais, là, il y en a qui disent ah, c'est que t'es dégueulasse. Ouais, je sais. Sophie, ma femme, c'est ce qu'elle dit. Là. Puis je sais, quand j'y pense, du fromage et du beurre de peanut, là tu te dis, ah, c'est quoi ce mélange-là? C'est vrai, là. C'est vrai, ça n'a pas l'air bon. Mais ça goûte bon. Checkez ça. Ça a l'air dégueu. C'est vrai que ça a l'air dégueu. Mais ça goûte vraiment bon. Ça colle bien. On va couper en deux. Et voilà. Sandwich de papaco. C'est ça. Deux toasts au beurre de peanut avec une slice de fromage. Bonne journée. C'est bon? Mmh.